benoda di valunione per la salvezza di la nazione sta oggi pura bene l'augore ci porta bene ci Si vous venez tenter quelque chose, on finit en beauté. Olé. Bonsoir à tous et bienvenue et merci d'être avec nous sur Via Stella, sur RCFM et bienvenue dans cette nouvelle salle de l'Albor. Soirée exceptionnelle, plateau exceptionnel. Vous avez voté, vous les internautes et vous qui êtes dans la salle sans doute, pour les chansons qui vous parlaient, les chansons que vous aimez par-dessus tout. Il y avait une sélection, une présélection, et puis ce soir, vous en entendrez plus d'une vingtaine, que des tubes. Que des tubes et revisités. Vous connaissez bien sûr ces chansons qui vous ont fait rêver, qui vous ont procuré de l'émotion. Vous les connaissez par leurs interprètes originaux. Ce soir, vous allez les découvrir, mais d'une nouvelle façon. Je le disais, plus d'une vingtaine de tubes et surtout près d'une centaine d'artistes, musiciens et chanteurs, tous réunis ce soir pour vous et dans cette belle salle de l'Albor. C'est évidemment des chansons que vous allez fredonner. Il faudra que vous les fredonniez ce soir avec nous. Et puis, la plupart du temps, ce sont des duos, des trios également. Des chanteurs que vous appréciez par-dessus tout. Et la première chanson, en étant à Bastia, c'est pas innocent de commencer ici au Centre Cultural El Albor avec cette superbe chanson. Et comme je sais qu'il n'y a pas que les Bastiais qui ont voté, ça veut dire que c'est une chanson qui a vraiment fait le tour de corps, bien sûr, avec la très très belle voix de Carlo Rocchi. Et puis Eugène Anaré, là, que les Corses, certains Corses connaissent, mais il a fait de très très belles chansons, peut-être un poète un petit peu inconnu, souvenez-vous. Perché l'odio sommerà, che l'odio dritto a dello, come sportello mi nesce al mercato. Ce sera ça l'ambiance ce soir pour cette soirée exceptionnelle, Erio Diadouman, et on va beaucoup voyager dans le temps, bien sûr, et on va se rendre compte que la chanson corse, c'est une chanson variée, c'est une chanson remplie de diversité. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte ce soir. À commencer donc par cette version du Campanile di San Giua. Qui va l'interpréter? Eh bien, vous allez découvrir tout de suite. Benando i derenoa, perché l'udio zumela, che l'udio i rito e guadello, come lo sportello mi nascendo mercà. Tutto è di tende e si vede fiori e panere in mimosa. Si specchiano nel mare come le balle o campanile di San Giua. Si può passare, mi chiamano le pisciai, o signore veniti a curare, sarra delle vive, di senta trombeta di la qua di Monserrat, sotto campanile di San Giua. Campanili di Pasqua, al porto d'Ova, San Vicente.
Ougan Pani, il est descendu à revisiter ce soir par Sissi Palandri, par Henri Olmeta et par Labriou. Direction 1983 avec un incontournable de la chanson corse. C'est pas une surprise qu'elle ait été comme ça plébiscitée par les internautes. Alors là, on est en 1983. Il pleut sur Conca de Porto Vecchio. Et notre auteur, Bati Profizi, il n'est pas très heureux. Il passe l'après-midi à la maison, puis il est triste. Et il se dit, tiens, si j'écrivais une petite chanson. Et il écrit ce qui allait devenir Rigordo. Et puis, il se trouve qu'il est en studio avec le groupe Sorgenti. Et il leur manque une chanson pour finir l'album. Ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et Bati dit, moi j'en ai une, mais elle n'est pas finie. Alors si vous voulez, je vous la chante. Et donc Bati, pour la première fois de sa vie, chante cette chanson Rigordo. Il la garde sur l'album, le premier album, Ame Badria. Et c'est un succès retentissant pour cette merveilleuse chanson. Et cette chanson, on l'a toujours dans le cœur et dans les oreilles depuis autant d'années. Et ce soir, la version que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais entendue. Tous les artistes qui ont travaillé pour cette soirée se sont réappropriés la chanson, la réinterprètent à leur façon, voire proposent des arrangements complètement différents. Voici Rigordo. Qui pousse sous ma cuir.
Record, comme vous ne l'aviez jamais entendu, avec Sabrina Sarraïs, que vous avez certainement entendu aux côtés de Carmen Belgodère dans Mana, et puis bien sûr Pierre Gambine, qui n'hésite pas à explorer tous les univers musicaux. Puis, évidemment, la mélodie originale, c'était signé Charles Marchelaise, puisqu'à l'époque, c'est Charles qui donne cette musique à Batty, puis il fait cette merveilleuse chanson, qui d'ailleurs est chantée par tous aujourd'hui. Quand je vous disais qu'il y avait tous les styles et tous les genres musicaux. Alors, il y a des chansons, bien sûr, ce sont les premiers interprètes comme ça qui l'ont fait découvrir. Et puis, certaines fois, vous êtes tombé amoureux de la chanson. On ne sait pas pourquoi, ça ne s'explique pas. C'est la musique, c'est les paroles, c'est l'interprète aussi. Et à propos d'interprète, on dit que la chanson corse est très machiste. Ce n'est pas vrai du tout. Non, ça n'a jamais été le cas, en plus. D'ailleurs, parmi les chansons que vous avez sélectionnées, il y a celle-ci, par exemple. Vous connaissez certainement... et la chanson et son interprète, Patrizia Gadaciega. Extrait de l'album Divileta e d'Amore. 2005 déjà. Ça fait déjà 10 ans. Déjà 10 ans. 2005 pour cette chanson qui est particulière quand même, parce que c'est vraiment une chanson forte de cette poétesse, parce qu'elle fait des chansons, mais elle fait des livres aussi. Patrizia Gadaciega, vraiment auteur, compositrice très, très... forte sur tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche se transforme pratiquement en or. Et vous avez choisi sur cet album la chanson Senti a Villetta. Ça parle d'exil un petit peu, et puis surtout de l'amour profond que l'on peut avoir pour sa terre et pour ses racines, avec quel meilleur symbole que a Villetta, bien évidemment. Comment va-t-elle être interprétée, et surtout par qui? C'est un petit peu le jeu récurrent de toute cette soirée. Vous allez le redécouvrir tout de suite. Un groupe qui n'a pas hésité, encore une fois, à se réapproprier cette chanson et à l'interpréter à sa façon. C'est rien que pour vous, et c'est pour l'inauguration de l'album. Senti a Villetta,
Le Jacques Orchestra pour Cynthia Villette, Celia Picciocchi, Jean Castelli, Jackie Lemaine, Piero Michelangeli. Et on était presque dans une ambiance pop british, plutôt agréable. La chanson qui suit, bah c'est, quelqu'un va nous en parler, que vous connaissez forcément. Vous le retrouvez à 6h30 dans le 6h30. Je vous demande d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, M. Philippe Martinetti. Bonsoir Laurent, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. La chanson, je ne sais pas si c'est la peine de la présenter. On va juste envoyer déjà l'intro musicale. Vous allez la reconnaître tout de suite. Ça, c'est un tube. Canton Boulogne, soit avec Compagnero, bien sûr. Le début des années 80, la mode est à la musique d'Amérique latine et très belle version de Canton. On a envie de chanter avec. Ça fait envie, ça fait envie. On peut chanter. Ah, si vous avez envie de chanter, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, je voulais qu'on reste deux minutes sur Nadal et Luciani, qui nous a quittés. Très grand mélodiste, puis un des piliers de Canton Boulogne, et qui lui aussi a laissé, je veux dire, des dizaines de chansons dans notre mémoire collective. C'est vrai. Dont celle-ci. Alors évidemment, Philippe, quel est le souvenir de cette chanson pour toi? Le souvenir, il y en a plusieurs. Mais je voudrais juste signaler une chose sur cette chanson qui est importante. Vous avez dit, nous sommes dans la fin des années 70, 78 pour cette chanson notamment. C'est une formidable chanson sur l'émancipation individuelle et collective d'un peuple. C'est une formidable chanson sur la diversité culturelle. D'ailleurs, vous le disiez, Laurent, au début de la présentation de cette chanson. Et évidemment, elle imprime le temps, elle marque les générations parce qu'elle a été transcendée totalement sur scène par Kant. Hein. Totalement. Et ouais, elle représente quelque chose un peu particulier. Oui. Alors, quel est le point commun entre Compagnero et le football? Ben, c'est une chanson que nous écoutions dans une autre vie, quand je m'essayais au football, notamment avec la Squadra Gortz. C'était la chanson parce qu'elle favorise l'unité. Cette chanson, vous savez, on était dans le car, on avait tous nos Walkman à l'époque, oui, les Walkman, et on écoutait cette chanson-là parce qu'on se sentait plus fort. Émancipation individuelle et collective, j'insiste, désolé Laurent, désolé Olivier. Non, mais ça tombe très bien parce que ce soir on joue en équipe. C'est ça. Et c'est de circonstance. En tout cas, merci beaucoup, merci à Laurent, vous. Pour la messieurs, Philippe Martinetti. Merci. Merci Philippe. Alors moi je vous propose d'écouter en live cette chanson, Compagnero. Sangue a nudidia, ero
Compagnero, la version de ce soir, signée Chilenese et Oriente. Moi, j'appelle ça les fondamentaux. 30 ans après, la chanson, c'est encore un tube. On l'a vu avec la réaction du public ici, dans l'Albor. Autre chanson. Celle-là aussi, va faire réagir. Écoutez ces premières mesures. Forcément, ça vous parle. Tous ceux qui s'y sont essayés à la guitare et au chant ont certainement interprété un jour ou l'autre cette chanson. Ah, il faut chanter et regarder les images qui arrivent. Parce qu'il y a du dossier, là. Oui, parce que Versuté, bien sûr, chanson rendue célèbre par le groupe L'Albino, avec un certain Henri Olmeta, qu'on a vu tout à l'heure. Qui a écrit cette chanson. Mais Henri Olmeta, au début, c'était ça. Eh oui, là encore, c'est début des années 80, les années clip, une super production de France 3 Corse. Alors, 83, mais cette chanson. Ah oui. Ah mais vous n'avez pas fini avec ça, hein. On en a d'autres. Une chanson de 1983, composée et écrite donc par Henri Olmeta, c'est en Belgique que cette chanson a vu le jour. Enfin, pas exactement. En Belgique, ils sont partis pour un concert et puis il y avait une affiche dans un bar qui représentait une colombe avec une guillotine. Et donc Henri Olmeta, qui a trouvé cette affiche superbe, la ramène, la met dans sa chambre. Et puis un jour, cette affiche qu'il regarde sans arrêt, cette colombe avec cette guillotine, lui donne l'envie d'écrire cette chanson qui sera le tube de ce premier album du groupe L'Albino à l'époque. Et on lui demande encore de la chanter aujourd'hui. Mais pour l'inauguration de l'Albor ou ce soir, interprétation différente, mais interprétation bastiaise. Sous vos applaudissements. Bon azir. Vengo er sudé, montagne immaculata. Vengo er sudé, porti la mia scarpada. A olia liga un pa' con te. Vengo er sudè per scoprire sa sorgente di vide d'amore chi dà l'idea alla gente. A olia liga un pa' con te. Come la giluverino un po' più bulà, come un popolo unito un po' più campà, un po' più campà senza te. A colomba ionca tira su e taccata un popolo e stonco di la sostrasiada, ma venimo verso te, bene verso te, contra l'alienazione, bene verso te, per la corsica nazione, chi sarà libera con te, come la genuverino, un po' più volà, come un popolo unito. Per una me chi porti tanti tanti boboli piegni e non li sono morti, ma venimo verso te. Yeah.
Ringraziamo, buonasera. Versuté, réarrangé, réorchestré, réinterprété, réadapté, version 2015. C'était la version des Mantini. Avec un des deux du marché, très important, qui a fait également partie de ce groupe L'Albine, où il y a déjà maintenant quelques années. On va revenir plus proche de nous, les années 2000. Les années 2000 avec un groupe qui aujourd'hui est devenu incontournable, mais alors vraiment en quelques années. Vous entendez déjà les petites notes de cette chanson que tout le monde interprète déjà aujourd'hui, ce qui paraît assez exceptionnel parce qu'elle se mélange avec les premières chansons. Reprise dans de nombreuses soirées, reprise par la nouvelle génération aussi de chanteurs. Vous avez bien sûr reconnu le groupe Vidalba. Vidalba et Minewog, ou c'est Jean-Marc Acquaro. Alors il a écrit cette chanson il y a quelques années puisque c'était en 1989. Et puis vous savez comment c'est, ça reste dans un tiroir et puis un jour il la sort. Il décide avec son groupe de la chanter sur scène. Et puis ça lui convient pas trop. Et finalement tout ça monter a fait une musique qui lui plaira bien. Et du coup ils ont décidé de l'enregistrer. Ils ont bien fait. Évidemment tous ces membres du groupe Vidalba. Ça aurait été dommage. Depuis, le groupe continue son bout de chemin. Alors, parfois, on me pose la question. Oui, mais est-ce que la chanson corsée se renouvelait? Je peux vous garantir que oui. La preuve, encore, si c'était encore approuvé, c'est ce soir. On regarde un peu le groupe Vidalba. Alors je vous l'ai dit en début de soirée, ils ont tous beaucoup travaillé, ils se sont rencontrés, ils ont réadapté les classiques de cette soirée, ils les interprètent à leur façon, à un tel point qu'on dirait que c'est eux qui l'ont créé. Vous allez en avoir la preuve tout de suite avec Minewog ou De Vidalba, réinterprété ce soir. Come che vanno in bianca all'orizzonte portato dal mare per il grino eterno qua neve che stanno appesi ai monti carezze i silenzi regalo l'inverno con l'uomo spiranzoso videndo aspirata chi bene a risplende mezzo allo tempo rare con l'ancio silenzioso di laghe d'attrezziata quando a luna accendo più alto sciappare.
Vous les avez bien sûr reconnus, le groupe Diana Dillalba. Là, on a bougé, on a dansé. Alors moi, je suis d'une génération, quand on sortait en boîte, il y avait au moins la série des slow. Bah oui, on n'était pas obligé de crier dans l'oreille, on se chuchotait à l'oreille. Et dans les slow, moi, j'adorais écouter ça, écoutez. Ça te dit quelque chose, ça? Oui, oui. Bon, le slow n'existait plus à mon époque. Tout est fini de navailler. Ah si, non, j'en vois qui ont dansé dessus aussi, je suis pas tout seul, hein. Dis les Bouvrini, bien sûr, avec Jean-François Bernardin. Ça marche. Ah, je te raconterai en coulisses, mais tu peux faire un carton avec cette chanson. Hein. Oui, parce que la chanson corse aussi, avant, on pouvait l'écouter ailleurs que sur certaines scènes. Musique de Jean-Bernard Rangigogne, parole de Jean-François Bernardin. Est-ce que ce sera un slow ce soir? Bah, je ne sais pas. En tout cas, si c'est la série des slow, bah, je vais sortir en coulisses. Sinon, c'est peut-être une surprise. Remarquez, on en aura plein tout au long de la soirée. Je vous demande d'applaudir d'abord la chanson dit et ensuite ceux qui vont l'interpréter. Finito di nevai, saremo soli allora mai, facise tu ancora a me. Di, un nostro fuoco l'hanno spinto, sono tutti l'altri che hanno vinto, mio mondo più perché. Di, quando l'urte era Natale, non ricordo vera male, un conto radio che per te. La vita è tanto sognata che la sa somigliesse a me. Di, ma com'è che tu rispondi? Vai già per altri mondi che quei che tu non fai più. Di, ma piangerai un'altra volta, ma tengo aperta la mia porta per quando tu ben abitia. Viaggio, due ne ho da aspettare una perine o non fa. Thank you.
Encore une très belle version, signée ce soir par Vidalba. Merci, messieurs. Alors, les chansons, pratiquement toutes les chansons, savent nous raconter des histoires. Et parfois, elles nous racontent l'histoire avec un grand H. Une histoire de la guerre, la Grande Guerre, 14-18, c'est une chanson qui est suggérée. On n'évoque jamais la guerre dans cette chanson. C'est l'écriture de Dédé Nobili, que l'on pense très fort, bien entendu. Comme tout à l'heure pour Nadal et Loudjian, il a pu écrire ces merveilleuses chansons. Écoutez un peu. Dédé Nobili, qui comme beaucoup Laurent a été touché avec la famille, il a perdu des êtres chers et ça l'avait vraiment ému et il avait voulu faire une chanson qui est restée depuis dans les mémoires, qui est une merveilleuse chanson extraite d'un album des Tiamis. Et pour le chemin des dames, c'est un duo que l'on vous propose ce soir. Usotta l'usole e tanti bani desinantu, una geruppia l'usolu e nagiulu mio gore frantu. Cura l'occhi spenti mio la sunieglia, cura o mio estrugore a vieglia, cura ci si è firmata la mia vita. Vengo un paio di fumigando con pola l'ora di amonta e la mia mente accende per un pizzaccio di pane unto, cula Francesco Antone Zappalore tu, cula bevo alla eva il campore tu, cula ci si è firmata la mia vita. Scola sotto l'inverno sento mugliami l'esideni e di vabone tante canzone mi danno l'uvredo alla pelle. Cura fagiano trascina due legne, cura sento il mio paese miegne, cura ci si firma
De gros applaudissements pour Francine Massiani et Stéphane Casalta. Alors, on vous l'a dit tout au long de la soirée, de temps en temps, on invitera une personnalité à nous rejoindre ici sur scène pour vous parler d'une des chansons. Alors, la personnalité qui va monter, elle est impliquée et à double titre. Je peux vous dire que parmi nous tous, je crois que c'est elle qui a le plus de le trac ce soir. Elle est chargée de la programmation au Théâtre Municipal de Bastia et c'est un peu l'une des chevilles ouvrières de cette soirée exceptionnelle. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Frédérique Balbino. Ça va, Frédérique ? Oui, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Vous êtes là aussi pour nous parler d'une chanson que l'on va écouter. Une chanson qui vous parle, qui vous inspire peut-être. C'est une chanson de Diana Dillalbe qui s'appelle Aguidar. Et mon papa était sur la scène tout à l'heure avec les Mathias Diouli. Et cette guitare, moi je la connais depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec. Et en plus, Aguidar, la chanson écrite par Antoine Marie, c'est une chanson d'amour qui est magnifique, qui est un classique instantané. Et voilà, c'est une chanson qui me parle beaucoup. Chanson d'amour, puisqu'on rappelle qu'il a trouvé une guitare, une vieille guitare, qu'il a retapée dans le grenier de sa compagne. Et puis voilà, l'amour est né pour la guitare et peut-être pour sa compagne. Rendu célèbre donc, ça a été un tube que vous avez plébiscité dans cette liste d'une vingtaine de chansons. Il y en a 22 au total hein, pour cette soirée exceptionnelle à guitare à deux, Diana Dillalbe. Un petit mot aussi parce qu'il a fallu sélectionner entre guillemets, proposer en tout cas des titres à bon nombre d'artistes et les faire jouer sur des registres qui n'étaient pas forcément les leurs. Alors oui, j'ai fait partie de celles qui ont attribué les chansons aux artistes. Et j'ai le groupe qui va interpréter Aguidar, j'étais persuadée qu'il nous livrerait une version tout à fait iconoclaste. Voilà. Complètement. Ils osent, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Exactement. Hein. Ils osent à chaque fois. Aguidar, c'est tout de suite. Et encore merci à Frédérique Balbino, s'il vous plaît. Merci. Chitarra tralasciata, tanto muro appiccata, oggi mi voglio lagnà. E domani chi ne sarà, sulla zona un po' su sta. Senza musica, senza suona, senza suona. Mi ricordo certe sere, le serenate sincere, un amore infiarrato a zitella si emanava dalla voce dell'amato che cantava a più potere a più potere e io chitarra tralasciata tanto muro avvicata oggi mi voglio lagnà e domani chi ne sarà sola solo un po' su sta senza musica senza suona senza suona forse un giorno venerà una mano mi friggerà le mie corde da rimare nascerà un altro mondo da pizzica l'unio lasciata non tu muro appiccata oggi mi voglio lagnà e domani chi ne sarà sola solo un po' si sta senza musica senza suona senza suona
casa di l'amore, sarà di lui il tesoro, a musica la sua vita. Nasceranno le canzoni, fioriranno i cori, d'una lea infinita. Il allait avoir des choses surprenantes et cette chanson revisitée est une pure merveille. Alors là, il y avait des rockers quand même sur la scène parce que le Corsica au centre. Rials, c'est-à-dire un groupe rock des années 70. Il y avait Tzia Deoda, les Varans et les Cantelli mélangés. Pour le Corsica au centre ce soir, avec et Tonton, avec. Et le Corsica au centre, ouais. Avec Minigoni, avec Chiesa. Ouais, l'épaule, Minigoni et Chiesa, c'est une pure merveille, vraiment ça décoiffe. Une chanson maintenant, Laurent, qui marquait un retour, on était dans les années 90. Une chanson de Canto Bulgurzo. Alors on les attendait, ils étaient revenus et ils avaient signé celle-ci, notamment, titre générique de cet album, Sintinedi. Je vais vous faire un aveu. De temps en temps, tout seul dans ma voiture, je me prends pour un chanteur. J'ai essayé. C'était facile. J'ai cassé deux vitres et j'ai arrêté. Je dis jamais je ne serai chanteur. Et il y a suffisamment de talent pour le faire. Et les talents sont là ce soir. Donc, quelques images pour voir que les chanteurs et les artistes ne changent pas vraiment et pas beaucoup. Regardez. Jacques Coulio et Jean-Jean Le Pape. Un sogno maledetto d'eterno Alors vous ne serez pas surpris, bien sûr, de retrouver cette chanson au palmarès de ce soir. Sintinedi, version, on va le dire, 2015. Écoutez. Guarda
occhio lampada o mare ladino, o una mani borsa d'impera di venti, un sogno malaretto d'eterno scarpidino, o una diamantica che più nimo non sente, chi più nimo non sente. In tempo da un qua fa e vivesi dall'altura con quella rete sovrano, non era un tuo mondo e n'era degni già, perdi anni impedrati più ricordo umano, Dio ricordo. Belle voix au service de Sintiné dit ce soir était celle de Marilena et de Juan Francesco Gianmarchi et de Petruzzanto Belfucci. Petruzzanto et Juan Francesco qui se retrouvent souvent dans Boccia di Gorsica, notamment. Bravo, très très belle interprétation. On l'a dit, il y a des voix, il y a des interprètes, il y a des musiciens. Et puis on a aussi beaucoup, beaucoup d'auteurs ici qui ont laissé des traces dans l'histoire de la musique corse. J'ai presque envie de dire que c'est un duo qu'on va retrouver maintenant pour cette chanson. Enfin, c'est un duo. Mais qui a beaucoup travaillé et qui a fait de nombreuses chansons ensemble. Il s'agit d'un monsieur qui écrit vraiment d'une façon magnifique, c'est Diantera Moro, qui, évidemment, et puis d'un mélodiste, on peut l'applaudir, et puis d'un grand mélodiste aussi qui est Feli. Cette chanson date de 1995 et c'est un fleuve qui répond à un fleuve. Tu mi dà e friscure pure. Un fleuve d'ici qui parle un fleuve d'ailleurs. La chanson s'appelle Gol, vous la connaissez certainement, vous l'avez d'ailleurs plébiscité pour qu'elle fasse partie des chansons que l'on écoute ce soir, réinterprétées, réorchestrées et avec des artistes que vous découvrez comme à chaque fois. Monte Gino.
e purezza. Falgus altis altendo, da de pacu dalone, so viume so golo, di vole di passione, ma boga tetti breme, ose na te fiumone. A sciappa destrito di smoco in scala santa, qua sull'altagna in volo, qua io avescia d'essa, ci si golandio, a prego a fa festa, ma poca te ce qui fait la magie de cette soirée. Anna Rock et Mai Pesce. Nous allons retrouver un autre de duo dans un petit instant. Mais d'abord, on va parler d'un groupe. En 20 ans, deux décennies, je crois qu'ils ont sorti seulement 3 disques. Ouais, 3 disques et puis ils se sont fait prier pour revenir. Heureusement qu'ils reviennent. Sovultatinu 2015, Quinici, Era Ora. Ça vous dit déjà quelque chose. Et cette chanson qui n'est pas toute neuve, hein, parce qu'elle l'a été avant d'être une chanson, elle était une nouvelle littéraire écrite par Pascal Ottavi. C'était une histoire réelle qui s'était passée à Sant'Andrea di Gotone. Et puis un jour, Alain Di Meglio tombe sur cette nouvelle et puis il participe à una cena literaria. C'est Jacques Thiers à l'époque qui impulse ce genre de soirée, de repas littéraire. Et puis il propose de faire écouter à l'assistance cette brève littéraire interprétée par un jeune. Et ce jeune, il l'appelle, c'est son étudiant, puisqu'il est prof également, en plus d'être auteur. Il appelle le jeune, il dit voilà, il faudrait que tu viennes et puis que tu chantes cette chanson devant ces messieurs. Ce jeune, c'est Fred Poggi, qui est tout jeune,
c'est en 93. 10 ans plus tard, Bud Gervant tout se monte, Fred Poggi prend la chanson et en fait cette merveille. Ogni canto ha la sua storia, la storia di stasera continua. Abbiamo ascoltato gli anziani di noi e poi c'è questa nuova generazione che ripete le canzoni stasera. Allez, un altro duo ce soir a découvrir. Un criatura in corso
La jeune génération est présente ce soir, Jean-Vincent Cervetto et Fabrice Andréali. Très, très, très belle interprétation. Vous êtes nombreux à aller au stade de foot ou par exemple à Fouriagne. Ah, parce qu'évidemment, cette chanson, dès l'entrée des joueurs, vous l'entendez. Ça, ça vous parle. Et dans la série, on a de la bonne musique, mais on a aussi des dossiers en vidéo. Soel, plus qu'une chanson, c'est devenu un hymne. L'hymne parce que c'est à la sortie évidemment de Fouriagne, à la sortie de Mezzavi, à Hollande aussi, je sais qu'au volet, tu mettais cette chanson parce que tu es un volleyeur. C'est vrai que c'est important d'avoir de telles chansons qui nous entraînent et qui nous permettent de gagner pour la plupart du temps. Alors après la petite série calme que l'on a eue jusqu'à présent, bah il est temps de s'énerver un petit peu, de taper des mains et des pieds et surtout de chanter. Et on n'a pas demandé à n'importe qui de reprendre Soel. Je crois que bah, ils vont nous préparer une très très belle interprétation. Juste una presentazione. Soel siamo noi. Noi chiamiamo all'amnistia per i prigionieri. Ecco. E scrive una storia contro le prepotenze. Fratelli, stuanti chi porta le speranze. Popolo coro su e l'isole so sostanze. A nuova tua scelta di campa per domani, a giorni di a notte, un cane o cane, a giorno di a macchia, quando usa rizza male, sende l'uomo oro per su da tre montagne. Plus un des groupes majeurs de la chanson corps, bien sûr, les Tiamadialèzes. Et puis ça tombe bien parce que les Tiamadialèzes, on va les retrouver aussi avec une de leurs chansons, une autre que vous avez plébiscité. Mais pour en parler, on va accueillir une personnalité de la presse écrite, journaliste de corps ce matin. Mesdames, messieurs, Antoine Albertini. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes ravissant, c'est très gentil. Vous n'êtes pas mal non plus. Non, c'est très aimable à vous. Alors Antoine, vous, votre... Bien sûr.
une des chansons en tout cas que vous aimez, parce qu'il y en a, j'en suis persuadé, plusieurs, c'est cette chanson que nous allons entendre. Est-ce qu'elle a une histoire particulière pour vous? Alors, on le sait, hein, c'est une chanson du répertoire militant, du répertoire nationaliste, on peut le dire, mais au-delà, c'est une chanson qui a essaimé, qui a des générations de chanteurs, parfois du dimanche, sont emparés. Moi, j'imagine bien Gilles Simeone, dans ses folles années de jeunesse cortenaise, l'entonner à plein poumon. Bon, Jean-Louis Milan, j'imagine beaucoup moins. Et François Tati, pratiquement pas, en fait. Bref, on le sait, Pobo Louis, c'est une chanson qui parle d'indépendance. Mais au-delà de ça, enfin, ce qu'elle m'évoque à moi, c'est de l'indépendance d'esprit, non pas par les paroles, mais parce que je pense qu'il faut dépasser le cadre d'une chanson et parler d'indépendance d'esprit. L'indépendance d'esprit, c'est cette espèce de supplément d'âme qui vous fait parfois penser un peu à rebours de vos propres convictions, interroger vos certitudes pour essayer de dépasser tout ça. Et je pense que c'est important. J'espère que ce lieu de culture, c'est une assez bonne définition de la culture, je pense, sera un haut lieu de l'indépendance d'esprit. Et puis, on m'a quand même précisé, je ne sais pas s'il y a des membres de l'opposition, on m'a dit qu'il y avait Jean Tsoukaril, Francis Riolach, tout ça, il faut quand même se souvenir que Pobo Louis, c'est une chanson avec des paroles politiquement très explicites, donc on m'a dit de bien préciser qu'il y a des défibrillateurs disponibles et des boîtes d'anxiolytiques sur simple demande. On veut que vous restiez là, on veut que vous restiez là. Il y a du talent musical, il y a aussi du talent intellectuel. Mesdames, messieurs, Antoine Albertini. Voilà. Merci. Que vous lisez dans. Adieu Barla Dodro, pour comme exemple, oui. Gérard Ogert. Enfin, surtout. Louis, excuse-moi. Viens les Gaspé, t'as c'était pas trop long, ça va. Bon. Oui. Pour les mois sculptés, alors, pour Louis. La 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 la. I monti con un faramento se sparra il tuo canto brioni verità popolo io popolo corso canta la lotta di vendenza la 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 Merci messieurs, on a entendu tout à l'heure une chanson de Louis Frances qui c'était Soeli. C'était évidemment le groupe L'Arcouge. Après les Tiama Dialesi. La chanson, c'est se faire aussi chanson d'amour en Corse. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui a marqué aussi plusieurs générations. Plusieurs générations puisqu'elle a été écrite en 1969. Elle a été beaucoup jouée à Paris et puis beaucoup l'ont chantée aussi et continuent de la chanter, heureusement. Et c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage à un grand monsieur de la chanson. C'était Tony Togg, à regarder. Oh,
noioti, tanto allegri scimice, combien d'ouvertures de balles de mariage. C'est vrai, c'est vrai. Et puis Tony Togg, Tony Togg qui était un merveilleux homme, qui était humble, qui avait écrit cette chanson. Il en a pondu d'autres, comme Ma Belle La Huida et bien d'autres. Il reste dans notre répertoire et c'est vrai que lui rendre hommage ce soir ici pour l'ouverture d'une salle, c'est formidable. Donc Fortunato, une chanson qui a marqué, qui vous a marqué, interprétée ce soir de manière sans doute différente. Différente et avec un duo homme-femme. À découvrir. Bonantine et Petru Belfucci. Merci beaucoup. La soirée porte bien son nom. Erio Diedumane et les chansons d'hier, d'aujourd'hui et même celles de demain, parce que certaines vont continuer encore à nous faire vivre. Quant à la prochaine, c'est un petit peu retour dans le passé. Il est temps d'accueillir une voix que vous connaissez très bien du côté d'RCFM. Qui a souvent annoncé cette chanson. Hein. À mon avis, quelques fois, puisque ça fait quelques années qu'il sévit sur les ondes d'RCFM. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir Jean-Pierre Acquaviva.
Bonazer, bonsoir. Bonazer, Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors, oui. Je disais que sans doute, souvent, tu as annoncé cette chanson, mais là, quelque chose de particulier quand même, je crois, parce qu'on t'a demandé de choisir une chanson et immédiatement, oui. Tu as pensé à ça. La Montagnière, ça s'est présenté tout de suite. C'est une histoire de famille. J'ai découvert une région que je ne connaissais pas, qui était la région de mon père, la région de Fralazorme. Et on me parlait, quand j'étais petit, de noms, comme Avuntana di Udas, ou Bardiana, Mans. Et puis un jour, je suis rentré à la radio en 86, je suis parti en reportage et j'ai découvert cette région. Et puis un jour, j'ai entendu cette chanson, écrite par Marcel Acquaviva de la Coale et chantée par Avilette. Et c'était un coup de cœur, c'est une chanson qui me marque encore maintenant, parce que celui à qui elle était dédiée était quelqu'un qui s'appelait Antoine, rien à voir avec mon père, mais elle a une émotion particulière quand je l'écoute, parce que Avilette était venue la chanter le jour de l'enterrement de mon père. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà donc. Mais je ne vais pas plomber la soirée. Non, mais non. Non, parce que tu sais qu'on a tous un rapport avec la chanson corse. Oui, certaines chansons clair. Corse, elles représentent quelque chose pour nous et elles nous ont marqué à un moment donné dans notre vie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette chanson, au départ, elle n'est pas pour Avilette, elle est pour Quentin Bouloulos. Pour Quentin Bouloulos, tout à fait. Et Marcel Acquaviva dit la quoi ? Elle est donc pas le frère de Jean-Claude, mais qui est du Nioul. Donne cette chanson à Kant, à qui la chante une fois, à l'autre. Ça fait. Cette chanson, mais avec une musique complètement différente. Et puis, voyant que ce n'était pas enregistré, Marcel Acquaviva a dit, bon, tiens, Jean-Claude, prends-la. Et puis Jean-Claude... C'est le succès qu'on connaît. Exactement. En tout cas, c'est une des chansons que vous avez, là encore une fois, plébiscitée via vos votes sur Internet. Il est temps donc de retrouver la version 2015 de « Un montagnier ». Che l'usine scorso maggio sarà più d'un asimana a pronta di un cabraio alla sciapia che calmana che avala il tuiaio. Dopo giunto i Bardiana. Peggio fa la zorma, qui baranti è la mia. Sempre lì già i castighi da monte estremo a un mare emo gli stessi antichi sbucare. Genoa chi avete un sé più troa io del suono a mane ti non de- sta ome della minzuda di cale lua di leli più che mai di un dianano alla bordo i brusteri a chi hai rigiunto tanto un paese affacca di all'occasione.
voglio mancare là dove sta. Amane, di Sant'Antone. Voglio mancare là dove sta. Montanera, interprété par Michel Sammarcelli et Matteo Maestrini, qui avait fait une tournée mémorable avec Pedro Gelfucci. C'est une star au Québec également dans les années 90 et on est très content de le revoir sur la scène insulaire. Et la chanson corse, et on l'a vu, entendu ce soir, elle sait se faire romantique, elle sait se faire passionnée, elle sait se faire festive, elle sait se faire nostalgique, elle sait se faire militante aussi et elle nous a... En tout cas, pour beaucoup qu'on a entendu ce soir, elles nous ont marqué à un moment donné de notre vie. Celle qui suit, elle en fait partie, en tout cas à titre personnel, et je suppose qu'à bon nombre d'entre vous aussi, puisque vous avez voté pour qu'on puisse l'entendre ce soir. Elle est signée de quelqu'un qui a signé lui aussi quelques grands tubes de la chanson corse. Ouais. Jean-Paul Paulette, bien entendu, et Strada di Lavana, c'était le titre de l'album, magnifique, avec d'autres chansons formidables. On connaît l'interprète. On a parfois un peu oublié l'auteur et le compositeur qu'il est. C'est vrai qu'il y a de merveilleuses chansons, que ce soit avec Canta, que ce soit en solo. Jean-Paul Paulette, il fait partie des grands noms de la chanson corse. C'est vraiment cet album, quand on le ressort et quand on le réécoute, ça arrive souvent pour des albums, on trouve qu'il y a des perles qu'on avait peut-être loupées. Enfin, pas moi, parce que j'étais pas né, mais vous, en tout cas, dans les années 70. Oui, c'est... Merci Olivier, je reviendrai. Ou pas. En tout cas, la version de ce soir, elle est encore une fois particulière. Ils l'interprètent à leur façon et de quelle façon. C'est encore un groupe que vous connaissez et plein de talent. Voici cette nouvelle version de Strada di Lavana. Non ti risponde mortale, tu chi pensi che l'uomo campa vicino al male, tu chi cerchi l'eterno in un cielo amantato, tu chi credi in un mondo di miseria. Sappia ghia salvezza e fatta il onore, con esiste ricchezza chi campa più d'un fiore, come al lume dell'ombra non s'accorda non mai. Non c'è ha fatto i guai, tu chi cerchi a stella d'un popolo spaverso, come un agro tu santo costruì l'universo, tu chi cerchi e ti ave di cose sopra. Quell'esiliato chi brava e so campane, sappia chi ha salvezza e fatta il onore, con esiste ricchezza chi campa più d'un fiore, come al lume dell'ombra non s'accorda non mai. C'è amore umano,
fato i guai. Tu chi porti ad opera cercando un testimone, come l'incarcerato in triste prigione. Tu chi cerchi fortuna con per nostra tierra, come un paese vivo chi si vuote chi spera. Sappia chia salvezza è fatta in onore, con esiste ricchezza chi campa più d'un fiore. Come al lume dell'ombra non s'accordano mai. Non c'è amore umano non si ha fatto i guai. Non c'è ensemble Tawain, chanson qui date de 1978. La chanson corse est aussi la polyphonie. Et puis il y a des chansons comme ça, on les connaît. On les connaît, on l'entend. Je connais que ça, je connais ça. Mais pour sortir le titre, il n'y a rien à faire. Je sais même que ça vous arrive à la radio, ça. On vous la demande, on ne vous donne pas le titre de cette chanson. On ne donne pas le titre exact. On dit est-ce qu'on pourrait avoir Di Gonfitour ou Confitour. Et pourtant, ce n'est pas le titre. C'est pas le titre alors. C'est une chanson de Diana Lila, bien sûr. Une chanson qui date de 2005, extraite de l'album Donadé. Mais elle est beaucoup plus ancienne encore, cette chanson, puisque c'est une chanson qui relate des souvenirs d'enfance de Tchétchel en Franck de Lévy, avec un ami intime à lui quand ils étaient petits, jouaient ensemble. Et puis en 1981, il revient au village, à Lévy, sur malheureusement la tombe de son ami. Et puis il a cette inspiration et il écrit cette merveilleuse chanson. Et ce n'est qu'en 2003 qu'il donne le texte à Antoine Marielle, qui lui fait cette musique splendide. Et ça donne donc Confitour. Non, ça s'appelle Duke. Duke. Non, parce que pour le coup, j'avais préparé des fiches. Et pour entendre Duke qui ce soir, nouveau duo. Et c'est un peu la jeune génération qui se réapproprie ce tube, ce succès, qu'encore une fois, vous avez plébiscité via le net. Duke, qui tout de suite. Balleremo a guerra in corti la scuola sulla di d'una stola con gli scusa gli scuri e lo bruvomo l'ombo di sarisa che sbola sarà d'inchiostra amaro o di confitura. Spesso l'estadina infiara l'aria piena da stierisci di visi nostro cingridadi e tutti li si credi spretto di obugena di un teledora preso pace in più a radi. Mille lumi a raggianto i ramo e di mare i li vapori strani di la mozidellina un firma o abbi un nimo era notte mi pare eppur la tua voce era così vicina. Balleremo a guerra in corti la scuola sulla di una storia li scusa gli scuri e lo provo lungo di sarisa che sbola sarà d'inchiostro amaro o di confittura. E poi vani un tempo più nu e più si credo parali dolci di sulle consomme e chi c'ha un botta di sensi e rugore più chiedo
bruciando per le strade uno di rie. Memoria vagabonda, immensa e fontina, inventa l'indomani, assenti ludo fiato, ormai do ricordi, so che polverina, voi suoi orni ma di già consumato. Balleremo a guerra in corti a scuola, sulla di una stonda con le scusa gli scuri, e lo profumo longo di sa risa che sbola, sera di inchiostra amaro o di confittura. Mi liri moria di come tante preghiere, e gli sapori umani di ciò che un fu fatto firmavano i doi a di che tu non c'eri, e tutti si piaceri che un taglio puntato. Mille rime circate per di a tremoge, codidenia garu ma la misiso per si disia nuguncessi sta dare una croce, e come testamento poco issi versi. Balleremo a guerra in corti la scuola, sulla di una stonda culi scusa gli scuri, e lo profumo longo di sa risa che spola, sera di inchiostra amaro o di confittura. Balleremo a guerra in corti la scuola, sulla di una stonda culi scusa gli scuri, e lo profumo longo di sa risa che spola, sera d'inchiostra amaro o di confittura. Encore une fois, une très belle interprétation avec sa maman était tout à l'heure installée à sa place. C'est pour ça qu'on parlait de génération, de toutes les générations. Doria Housset, la fille d'Anna Rocchi, et puis Gianfranco Mattei, qui, lui, vous le voyez en groupe la plupart du temps, avec le groupe L'Alba. Et puis tout à l'heure, on avait les Welfucci père et fils aussi. Donc la chance encore se porte plutôt très bien. Un sommi qui s'est été ballato un tavo con tu cadavene, ma forse m'a demandé qualche sia qui conosci de forse. Faccio parte di la squadra di l'emissione Insieme in Anta Via Stella, da poi a noi tempo d'accogli per c'è Cristina Luzzi. Ah, buonasera. Buonasera, Laurent, buonasera Olivier, buonasera a tutti e a tutti. Allora, sta canzone per te? No, no, un domando mica io se l'ha ballato non tu su canto, perché mi ha risposto io. Ah ben no, non pas moi. Non si balla mica, non tu una canzone d'amore a pas tornato. Ah bon? No, ma perché hai tu un'ascolta mica un canto, un'era mica per questo che non dava a ballare. Si canta mica. No, ho scelto questa canzone perché è un canto insieme, come Madine e Sole, in due c'ero io, c'eri tu. Sti villari sono stati scritti da Giantera Murucchi. Poeta Lourdaccio, che ha scritto questa poesia, e dopo messa in musica da Gianfrancesco Bernardini, con te lo di gruppo I Muvrini, e questa canzone, agonisci di tutte, parla di un amore frastornato, e questa canzone è insieme. Qual è chi sta cantando questa canzone qui? Sono marosi stasera. Et abastanza. Il est bien entouré, si je peux me permettre. Le monsieur. Écoutez, regardez. Merci, Christine. Ringrazio. Madine e sole, dove goggera io, c'eri tu. Quando è venuta l'ora, dice l'amore, se abarto, lo fiore gioventù. Domani di ne vai, ne drinca due strade,
i doi la nuegi sa così a nostra vita ormai avera stonda mare anche là e soferri da guarire.
Le groupe Visu Latine, vous les avez reconnus avec Eric Mattei. Et à la guitare, Sandrine Luigi, qui a beaucoup de talent. Avec cette belle chanson, donc, des Mourignes, demandée par les internautes pour qu'on puisse l'entendre ce soir. D'ailleurs... Deuxième chanson de Diantera Monro, qui est sa modestie du sans souffrir. En tout cas, c'est vrai que le garçon dont on va parler maintenant, c'est sa deuxième chanson aussi, puisque c'est une chanson plus récente. Et l'auteur dont nous allons parler était tranquillement installé dans son canapé. Il regardait un film. Le film avec Mel Gibson et... Bravo. Ouais. Il regardait le film et puis ça lui a donné envie d'écrire cette chanson. Rosale rouge à l'horizonte, a dolci radiscalda il fronte. Et cette chanson, alors, elle était publiée sur un site où on écoute beaucoup de musique et on voit des vidéos. Elle a été vue et entendue dans le monde entier. C'est vrai. Ça a été un carton sur le net. Ça a été vite un carton et c'est vrai que cette chanson est entrée très vite également dans le répertoire de la chanson corse, dans le patrimoine de la chanson corse. C'est une prouesse et c'est un jeune groupe qui mérite vraiment, on les a vus tout à l'heure, hein, les membres du groupe Bidalba, mais qui mérite vraiment qu'on les voit et qu'on les écoute. Alors, mais juste ce soir. Petite anecdote, un jour, on demandait, tiens, il y a une chanson que tu aimes bien, une chanson corse. J'ai dit oui, Steering Bridge. Il dit, mais c'est pas une chanson corse, ça. Je dis, ben non, écoute. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ben oui, mais c'est pas la version originale. Hein. Non, petite indication alors. Petite, pour le duo qu'on va retrouver maintenant. Petit indice, allez. Allez, écoute. Comment on dit Aoch en anglais? Yes. On dit The Voice. Yes. C'est ça. Stirling Ridge, c'est tout de suite. Oh, bravo. Thank you.
Battista Acquaviva et Cece Pesce pour cette reprise, cette adaptation de Stirling Bridge. Une chanson maintenant et un anniversaire pour commémorer l'amour entre deux êtres avec de la pudeur, avec de la douceur. Une mélodie de Jean-Pierre Lanfranc qui l'interprète d'ailleurs, qui interprète la version originale de cette chanson. C'est vraiment une chanson universelle qui peut aller aussi bien ici qu'ailleurs. Je ne suis pas seul à le penser, mais pour moi, c'est un monument de la chanson corse. C'est une de mes chansons préférées. Pour ne rien vous cacher, je fais partie des internautes qui ont voté pour les chansons de ce soir. Cette chanson sera interprétée différemment ce soir par ces trois artistes que nous vous laissons découvrir. Anni che sono scorsi e le do gioie e le do bene per i baci e i discorsi e l'usongue e le do bene per la dove memoria car chi luce sempre in colore blu non gli sonda per me voglio guardare per quella via te soccorri i tuoi figlioli l'hanno in e l'udo grani i tuoi filari e l'ugore per la d'amore immensità perché la gara santa mamma per l'odio e per l'eternità e per la tua memoria cara chi luce sempre in gloria bene vuoi gode ogni sfonda permessa vuoi goderla per te. Bravo, Batti Profi, Eric Salvarelli, Thomas Brondine, s'il vous plaît. Merci, messieurs. La prochaine chanson. Non, mais il est l'heure, parce que c'est vrai qu'on a été un peu mélancolique jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il serait temps de danser un petit peu. Nous allons danser sur cette prochaine chanson, et celle qui va nous faire danser. Il nous fallait quelqu'un qui nous parle chorégraphie. Alors, on peut dire que souvent, elle est sur un nuage, qu'elle nous prépare des plats aux petits oignons. Mesdames, messieurs, on accueille Marina Ribaldi. Bonsoir Marina. Bonsoir les garçons, bonsoir à tous. Un petit pas quand même. Un petit pas ? Non, j'attendais un petit pas, je dis. Dans l'entrée. De qui ? De Marina. Ah, oui. Ah non, mais elle maîtrise parfaitement la chorégraphie de la chanson qui vient. Je maîtrise la chorégraphie, je chante et je danse. Vous savez pourquoi j'ai été choisie pour cette chanson ? Non. Parce que je suis rousse, comme une Irlandaise. Ah oui, c'est vrai, bravo. Et d'où l'origine de la chanson. Exactement. Qui a été composée par Wolf Tones pour un centenaire d'un club de foot. Tu sais combien j'aime le foot, Laurent ? Ah oui, quel club ? Laurent connaît quel le club. Quel club ?
Je ne sais pas. The Celtic Football Club. Bravo. Hein? Et c'est qui est le plus, le plus irlandais des clubs d'Écosse. Hein? Tout à fait, tout à fait. Et c'est lors d'un voyage que Giancarlo Papi entend cette chanson et se dit elle est tellement joyeuse, tellement entraînante, tellement chanson de partage, d'amour. Je vais essayer de la traduire et de l'importer. Chose dite, chose faite. Et l'objectif, c'était de réussir à faire danser sur de la chanson corse. Mais complètement. Vous savez ce qu'il disait Natale Luciani de cette chanson ? Elle possède le corps. Et lorsque vous l'entendez, avant la fin, on saute tous comme les cabris. Vous la connaissez ? La 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 la. Allez, Laurent, tu danses avec moi ? Allez, ouais, allez, ça, allez. Allez. Ah, non, mais on va aller plutôt en coulisses. Hein. Mais bien sûr. Bah, puisque moi, il a l'air très chaud comme ça, on va voir si ici, dans l'enceinte de l'Albor, on va chanter, on va danser, sauter, taper des mains avec Sinfonia Nostra. Allez. Merci, Marina. Li con te e rino a cucì i stivi si correpiti ciò che fece su ciacchi ci trano da fiorì ad acqua lo per fa rinvito isce l'anima che don bruto campa e la verità si castagna a pomprati se montagna rullate se case lo ci trate se donna montane si ori si soffiettati lo ci arritrosi di nevate si ma se rispinti cari se vedre che è stato a scoso io all'orio non sapevo un prezzo di lavane e poi fatti scontra sai anche in magia che ti va che non sperrà un mondo a rinnovare tu voce rubi fu riotta un silenzio e bellezza ne vero tu ciò che tu sai più su campi sparterà l'umano di domani chi può lasciare un palla il rai che cambia se voce fu cambiato ora è buon impagliare certi sciuppetti murati io mi passo mani nostri vecchi imprigionati che ci tancano e serrate sei casetti imputinate da lungo donne campane siamo sempre via Yeah.
Serap. Test réussi une fois de plus. Le public de l'album a bien répondu. On a sauté, on a dansé sur Symphonie en Austral avec Missa Adieu ce soir pour cette interprétation. Une chanson maintenant qui date du régime franquiste. Nous sommes en 1968 et Louis Sliac crée l'Estaque. Et cette chanson, elle sera, que nous entendons, elle sera prise comme ça lors d'un voyage au Pays Basque par les Tiamadjales. Ils sont au Pays Basque et il y a des Béarnais qui chantent cette chanson. Et quand ils reviennent, Patrick Croge a un souvenir et puis il écrit, il adapte cette chanson qui deviendra très populaire, bien entendu, chez nous. On approche doucement, mais sûrement, de la fin de cette soirée. Encore deux titres à redécouvrir avec cet avant-dernier titre. C'est Gatena, bien sûr. Et puis ensuite, vous découvrirez avec nous la chanson qui a été plébiscitée parmi tous les titres qui vous ont été proposés. Cette chanson aussi, il faut le dire, que la jeune génération s'est réappropriée. Et c'est vrai pour toutes les chansons anciennes, c'est-à-dire anciennes, les plus anciennes que nous avons entendues ce soir, pour les plus récentes, bien entendu aussi. Et comme le public de l'Albor, ou peut-être chez vous, à la maison, qui nous regardez ou qui nous écoutez, eh bien, vous allez continuer dans la ferveur à taper des mains et à chanter. Et tempuri di ascoltare e di ritrovare la canzone Gatena. Yeah.
Athènes, c'était la version de la Tratte ce soir. Et tranquillement, on y arrive. On y arrive à la fin de cette soirée. Vous avez entendu plus d'une vingtaine de titres et tous ces chanteurs et musiciens qui vous ont proposé leurs interprétations. Il est temps de parler d'un titre qui a été particulièrement plébiscité. Et pour en parler, on va retrouver une autre voix de RCFM, celle qui vous réveille tous les matins, qui discute, qui vous dispute aussi parfois. C'est Jean-Michel Fraticelli qui nous rejoint. Je vous en accueillir. A buonasera a tutti. Le forum, c'est lui. Est-ce que... Entre autres. Alors cette chanson, il va nous en parler, Jean-Michel, évidemment, mais tous les matins. Alors, évidemment, mais avant de parler de cette chanson, je voudrais quand même que vous réserviez une ovation à ces deux présentateurs, Olivier Balbino et Laurent Vidal. Merci. C'est gentil, Jean-Michel. Parce que ce que vous avez fait ce soir, c'est pas facile. Non, ce qui était très difficile, ce sont ce que les musiciens ont fait et nous ont proposé ce soir. Une très belle soirée, puis on a eu un public qui restait là tout au long de la soirée et qui, je pense, comme nous, a apprécié tout particulièrement. Mais il est temps de parler de cette chanson, donc il paraît que tu la connais très bien. Alors, je la connais très bien parce que j'envisage de rentrer au Guinness Book pour être celui qui, au monde, l'a entendu le plus souvent et le plus longtemps. C'est la chanson, évidemment, une chanson emblématique. On parlait tout à l'heure de chansons qui sont devenues des hymnes, comme Popoloui ou comme Soel. Et ça aussi, c'est devenu un hymne, et un hymne qui s'est exporté dans beaucoup d'endroits, puisque cette chanson a été récompensée au Québec, elle a été chantée en Grèce, elle a été chantée pratiquement dans le monde entier. Il l'a écrite rapidement, il me l'a dit, en 1992, et c'est à vous de la présenter. Alors, c'est une chanson emblématique d'RCFM aussi, puisque c'est celle qui ouvre notre antenne chaque matin. Mais quand on parle de cette chanson de Kurtzica, il faut savoir que le compositeur, il est avec nous ce soir. Au clavier, c'est Christophe McDaniel. Et il n'était pas tout seul, parce que pour avoir arrangé tous ces titres ce soir, il y a eu du boulot. À la basse, il y avait Ange Thor ce soir. Il leur fallait un batteur, ils n'ont pas pris n'importe qui, Gérard Pianelli. Et puis le maestro, celui qu'on ne présente plus à la guitare, Freddy Olmeta. Quand même, Laurent, précision, même si on le sait, c'est... Par exemple, Pedro Guelfucci, Christophe, Matteo Maestrini qui était avec nous tout à l'heure, c'est 24 000 personnes au Pigeonnier à Québec, c'est 100 000 albums vendus, disques d'or au Québec, c'est parti de Nice, c'est quelque chose de formidable, une aventure extraordinaire. En tout cas, ce tube et ce succès, il a trouvé toute sa légitimité ce soir, vous avez été très nombreux sur Internet à voter pour cette chanson et pour pouvoir la retrouver ce soir. Non pas chanté par Pedro Guelfucci, j'avais bien compris le principe de l'émission. Donc, par qui sera-t-elle chantée? Vous allez le découvrir tout de suite. En tout cas, je peux vous garantir que c'est de très belles manières. Et avant de se dire au revoir, et en remerciant Jean-Michel, bien évidemment, il est temps de retrouver, d'écouter et d'apprécier Kurtzica.
magnifique interprétation. Sekli, entouré de Patricia et Lydia Paul et Patricia Gattagig. Alors évidemment, Soledona et les nouvelles polyphonies corses. On n'oublie pas en 92, les Jeux Olympiques d'Albertville, l'ouverture. Et puis évidemment, une victoire de la musique. Il va être temps de se séparer. Alors avant de se séparer, je voudrais vous remercier déjà, vous tous ici qui étiez présents ici dans la salle de l'Albor pour cette inauguration. Plus de 2h30 de spectacle. Bravo à vous. Merci à vous surtout. Un grand merci aussi aux équipes techniques du Théâtre de Bastia et du Théâtre de l'Albor aujourd'hui, à qui on va souhaiter bien sûr plein de belles choses, beaucoup de spectacles vivants et beaucoup de succès populaires. Un grand merci à tous les artistes et chanteurs, musiciens qui étaient là ce soir, pratiquement une centaine. Ils ont montré une très belle image de la chanson et de la culture corse. Je crois que vous pouvez leur faire une grande ovation et nous on se retrouvera très bientôt. Merci à tous. Bonne année.